Départ pour la vallée du Loir, près de Vendôme. Ronsard est né là. Le restaurant s'appelle l'Auberge du Poète. Je pense à l'Apollinaire, le bistrot situé près de l'appartement d'Elsa, face au pont Mirabeau. On pourrait faire un tour de toutes ces gargotes, où la poésie n'a guère sa place, juste sur l'enseigne. Le soir, je gratte la tête d'une vache en pensant à mon père et au grand-père que je n'ai pas connu. De plus en plus souvent, un besoin de départ et de lâcher tout, même minime, même provisoire. septembre 2020. Balade dans la campagne le matin. Des vaches, de la vigne, des bois, des fruitiers, des champs de blé moissonnés, du fumier épandu. L'après-midi, on passe à Montoire, au musée des instruments traditionnels. Je me procure une sansa. J'ai l'impression qu'il me faudra du temps avant de l'apprivoiser. Passer la matinée à Vendôme. Il y a des villes à fleuve et d'autres à rivière, aux coulées plus intimes, aux maisons à flanc d'eau. De retour à la maison, un courrier dans la boîte mail. Un touib de l'éducation nationale me dit que je peux aller travailler parce que les gestes barrières ont été respectés et les mesures de désinfection. Mais que je dois tout de même surveiller une liste de symptômes. J'ai bien l'impression que le château de cartes commence à vaciller. septembre 2020.
du jour ne conservait que quelques ombres, pendant que les mots dans les bouches officielles ne semblent là que pour faire diversion. Il y a trop de normal dans l'air, trop de bon sens, trop de fausses évidences. Tout ça plutôt que prendre le temps de réfléchir et construire. Pendant ce week-end passé à la campagne, j'ai compris que j'aurais besoin de l'ouverture océanique pour vieillir. Je le savais déjà un peu. Septembre 2020. Si j'avais des antécédents à un point quelconque de l'histoire de France. Mais non, rien. Il m'est bien évident que j'ai toujours été race inférieure. Je ne puis comprendre la révolte. Ma race ne se souleva jamais que pour piller, tels les loups à la bête qu'ils n'ont pas tuée. Rimbaud, une saison d'enfer. Septembre 2020. Journal du matériel. J'ai fait l'acquisition d'un nouvel enregistreur, un Zoom H5. Je pense au virage qu'est en train de prendre le journal d'Arnaud de Lacote, qui intègre de plus en plus souvent une musique à ses images. Je constate la tension dramatique qui est ainsi produite. Septembre 2020.